Bonjour. On va vous présenter les différents astronautes. Donc je commence avec Franz Wiebeck, qui est le premier Autrichien à avoir visité l'espace, déclenchant à l'époque un engouement populaire à travers toute l'Autriche en 1991. Il est devenu le premier et toujours le seul astronaute autrichien à avoir visité l'espace grâce à la mission Soyouz en 1991. Avant cela, il a été diplômé en tant qu'ingénieur en électronique à l'Université technologique de Vienne, sa ville natale. Ensuite, il a interrompu son doctorat pour se lancer dans ce pari fou de devenir astronaute. Il s'est lancé dans une préparation de 2 ans en 1989. Après le lancement et la mission réussie, il a partagé son expérience technologique dans diverses entreprises aux États-Unis et en Autriche notamment, ainsi qu'il a été orateur dans diverses conférences. Sa nature à regarder vers l'avant, son optimisme et son ouverture d'esprit ont accéléré sa carrière remarquable. Envoyer sa candidature pour devenir astronaute ne signifiait pas seulement une aventure, mais aussi un challenge pouvant profiler son avenir d'une façon inattendue. La réussite de sa mission n'était pas uniquement une aventure spatiale inoubliable, mais aussi le début de nouveaux challenges et horizons, tant dans sa vie professionnelle que privée. Ses passions, lors de ses temps libres, Franz aime jouer du piano. Il aime également voyager avec sa famille, rencontrer de nouveaux amis ou encore jardiner. La protection de l'environnement et de la nature font partie de ses principales motivations. Ses sports favoris sont le ski de randonnée, la randonnée, la natation, le ski nautique et le kitesurf. Des faits amusants sur Franz, son deuxième enfant est né juste après le lancement réussi de la fusée, en 1991 donc. En 2009, une planète mineure fut renommée en son nom. Bien qu'il ait été sélectionné 5 mois avant le lancement de la fusée, il était cependant incertain de savoir lequel des deux pilotes autrichiens allait monter dans le cockpit de la fusée jusqu'au jour avant le lancement. Sa devise est d'atteindre les étoiles tout en restant fermement ancrés les pieds sur le sol. Maintenant, je vais lui poser une question. So, Franz, where is Kurt during the takeoff or at any moment of the mission? Bonjour. Excusez-moi, je ne peux pas parler français, mais parle allemand et anglais. C'est tout. Was I scared? I was scared about 3 or 4 days before launch. I was in a room alone, and I knew that I was becoming father in the next weeks. And then I thought, oh gosh, if something happens during the launch, I might not see my daughter. So this was a moment where I got scared, and then I quickly left the room, and then it was over. During the launch procedure and launch, I was not scared. I was very focused, and that was it. Okay. Donc Franz dit qu'il était la seule fois où il a eu un peu peur, c'est quand il s'est retrouvé seul dans une pièce 3-4 jours avant le lancement. Il savait qu'il allait devenir père, et donc si la mission ne réussissait pas, il savait qu'il allait pas pouvoir revoir son enfant. Mais la mission s'est bien passée et donc il a pas. Tout s'est bien passé, tout s'est bien fini. Alors, nous avons aussi l'honneur d'accueillir Reinhold Heywans, un astronaute allemand. Donc, Reinhold est né en 1956. Pas très loin de la frontière avec les Pays-Bas, en Allemagne donc. Et il a fait ses études à Cologne, où il a obtenu un doctorat en physique. Puis, en parallèle, a fait un diplôme de physiologie humaine. Il a ensuite été sélectionné en 1990 pour intégrer le corps des astronautes allemands. Il s'est d'abord entraîné pour une première mission, mais où il n'a finalement pas volé. C'est donc seulement en 1997 qu'il s'envole pour la station soviétique Mir, où il passe 19 jours à faire des expériences aussi variées que sur la médecine ou la physique des matériaux. Et donc après ces 19 jours, il revient sur Terre à bord d'une capsule Soyouz, qui est différente de celle qu'il a envoyée dans l'espace, et atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Ensuite,
Il est maintenant professeur à Stuttgart et a beaucoup contribué à diffuser les connaissances qui ont été acquises justement dans les missions de notamment la Station Spatiale Internationale où l'ESA est fortement impliquée. Et il travaille maintenant justement à diffuser toutes ces connaissances au public. Donc je vais maintenant lui poser une question qui est quelle est la sensation que l'on a quand on s'éloigne de la Terre et qu'on la regarde depuis là-haut ? Merci Antoine. Je ne comprends rien, mais c'est... Mais c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit. Merci pour l'invitation d'être à Liège, et un grand spectacle, une grande audience. Mais c'est une fascination de l'espace qui s'exprime dans cette université, dans cet auditorium. Et c'est aussi qu'a été attracté, moi, de faire des études d'astrophysique, d'astronomie et puis des astronautes astronautiques. Les sensations, toujours dit que les sensations sont très corporelles. Les sensations, ce sont des spectacles, mais ce sont les sens qui sont extrêmement agités par le vol dans l'espace. Par exemple, le corps est en plein air, pas de gravitation qui nous qui nous maintient au sol. Et tous les organes, le cœur, sont dans une situation de float, hein, de buoyancy. Et c'est très intéressant. Même les vêtements n'est touché la peau. La peau, ce sont flottantes. Et après cela, naturellement, le vue de la fenêtre sur la Terre. Ce sont des sensations corporelles qui je me souviens toujours. C'est très intéressant, mais il faut travailler. Nous avons fait des expériences et les moments de concentration pour ces sensations étaient très rares. Je regrette. Le deuxième vol sera mieux en récupérer ces sensations. Dankeschön. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Valentine et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Vladimir Pletzer. Donc, comme tout le monde ici, M. Pletzer est un passionné de l'espace et il est candidat astronaute depuis 1991. Il a étudié à l'Université catholique de Louvain où il a obtenu un master en ingénierie, un master en physique ainsi qu'un doctorat en astrophysique et astronomie. Après cela, M. Pletzer a été professeur et conférencier dans le monde entier. Il a également travaillé à l'Agence spatiale européenne à l'élaboration d'instruments pour la recherche spatiale en microgravité. D'ailleurs, certains instruments ont été à bord de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, M. Pletzer est directeur des opérations d'entraînement spatial chez Blue Abyss, c'est-à-dire qu'il forme les astronautes de demain grâce à des entraînements sous l'eau ou à bord de vols paraboliques. D'ailleurs, M. Pletzer est détenteur d'un record mondial, celui du nombre d'avions, 14, à bord duquel il a pu effectuer des vols paraboliques. Donc cela correspond à environ 7300, à plus de 7300 pardon, paraboles et donc à environ 40 heures de vol en situation de micro-pesanteur. C'est pourquoi il a reçu le surnom de Monsieur Parabole ou Monsieur Microgravité. Mais peut-être ne savez-vous pas ce que c'est que des vols paraboliques. Donc en fait, c'est un peu comme des montagnes russes. L'avion va effectuer des vagues comme ceci et durant ces vagues, l'avion va couper le moteur. Ce qui fait qu'on va être dans un état de micro-pesanteur, donc les personnes à l'intérieur du vol vont voler dans l'avion. Et une fois atteint le pic, l'avion va redescendre et rallumer ses moteurs. Et ça dure environ une vingtaine de secondes.
Donc vous imaginez le temps qu'il a dû passer à faire des vols pour arriver à environ 40 heures de micro-pesanteur. Monsieur Plätzer a effectué de nombreuses expériences durant ses vols et dans de nombreux domaines comme la physique des fluides, la technologie, la science de la vie ou encore la chimie. Et il a également donné de sa personne puisqu'il a effectué des tests humains, enfin des tests sur lui, durant ses vols. Mais peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur en quoi ces vols paraboliques interviennent dans l'entraînement de l'astronaute. Merci, mademoiselle De Vos, c'est une très bonne introduction, effectivement. Bonjour, mon nom est Vladimir Plätzer, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et comme disait mon collègue Reinhold Ewald, c'est un tel plaisir de voir autant de jeunes qui se passionnent pour l'espace. Ça, c'est fantastique. Alors, pour répondre à la question, les vols paraboliques, en fait, nous permettent de recréer des conditions d'apesanteur pendant une vingtaine de secondes. Et on est exactement dans le même état de chute libre et de free flow, de flottaison libre, que les astronautes sur la Station spatiale internationale. Donc, ça nous permet de préparer des expériences, de faire de la science, faire de la recherche, même si 20 secondes, ça n'a pas l'air d'être très long, mais c'est suffisant pour faire certains types d'expériences si on est bien préparé, bien entraîné. Alors justement, l'entraînement, c'est un point important également. On entraîne également les astronautes pendant les vols paraboliques. Pourquoi ? Parce que eh bien, ce sont les premiers instants où ils découvrent ce qu'est l'apesanteur, ce qu'ils vont connaître pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois à bord de la Station spatiale internationale. Alors j'ai eu la chance de faire des vols paraboliques depuis que j'ai commencé à l'Agence spatiale européenne, donc pendant 30 ans. En fait, c'est mon mentor et, je dirais, maître spirituel, le docteur Dirk Freimuth, qui avait commencé ce programme à l'Agence spatiale européenne. Il pourra peut-être vous en dire un mot. Et puis, quand il est parti pour s'entraîner pour sa mission, c'était en 89, j'ai repris le projet avec un autre collègue. On a travaillé là-dessus. Et on a fait voler beaucoup d'expériences, mais on s'est également occupé de faire voler des astronautes, des jeunes astronautes qui venaient d'être sélectionnés pour leur faire découvrir l'apesanteur et également pour leur faire faire les premiers gestes nécessaires à l'apesanteur, à faire en apesanteur. On ne se déplace pas de la même manière au sol qu'en apesanteur. En apesanteur, on ne peut pas marcher, bien sûr, parce qu'on n'a plus les pieds au sol. Le poids n'est plus là. Et donc, la seule manière de se déplacer, ce n'est pas de nager comme on serait dans l'eau ou quoi, mais c'est de pousser sur un mur ou une paroi. Et par réaction, rappelez-vous la force le principe de Newton, action, réaction, et bien par réaction, on part dans l'autre sens. On peut faire ça sur le plafond ou sur le plancher ou sur un mur sur le côté. Et donc, ce type de déplacement, c'est d'abord important à comprendre et ensuite à maîtriser. Et puis par après, on fait également un tas d'expériences pratiques pour répéter les procédures, les protocoles expérimentaux que les astronautes vont utiliser à bord de la station. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter M. Tirsk, qui est que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Alors, dans les années 60 et 70, c'était le moment des premières missions Apollo qui l'ont fasciné quand il était alors adolescent à ce moment-là. L'idée de pouvoir découvrir des endroits encore non découverts par l'homme, des endroits inexplorés, ont enflammé son imagination à ce moment-là. Mais il était aussi motivé par le corps humain et l'étude du fonctionnement du corps humain. Donc, à ce moment-là, il a décidé d'entreprendre des études d'ingénieur et par la suite des études de médecine, qui étaient donc ses deux plus grandes motivations à ce moment-là. À la fin de ses études, il a pu participer aux sélections de l'Agence spatiale canadienne, pardon, et il a rapidement compris le rôle que jouent les soins médicaux dans de telles missions. Donc, le maintien de la santé, du bien-être et des performances des astronautes était très importante à ce moment-là, et c'est pourquoi on avait besoin de personnes comme lui qui étaient pluridisciplinaires. Donc, bien qu'il soit maintenant à la retraite, il continue à être impliqué dans de nombreux programmes spatiaux, et par exemple, une des missions qui l'intéresse pour le moment, c'est le voyage vers Mars, etc., et il faut veiller au bien-être des astronautes, et on a besoin d'hommes comme lui. Alors, j'ai une question pour lui que je vais lui poser. Je vais lui demander... comment peut-on communiquer avec la Terre et quelles sont les relations qu'on entretient avec la Terre une fois qu'on est dans l'espace? So, what are the relationships
that you have with Earth once you are in space. Can you elaborate on that? Bonjour. À bord de la station spatiale, nous avons une petite bibliothèque, une bibliothèque de livres, de films. Mais pendant quand j'étais un astronaute à bord de la station spatiale pendant 6 mois, je n'ai pas lu aucun livre, je n'ai pas vu aucun film, parce que pendant mes moments, le temps de loisir, j'ai simplement regardé la Terre à travers les fenêtres. Notre planète est belle. C'est une occasion en haut de voir une planète sans frontières et de regarder les tempêtes, les montagnes, les volcans, l'aurore boréale. C'est complètement magnifique. Et aussi, la vue de notre planète m'a changé. Mes perceptions, mes priorités. Et c'est une occasion de mieux comprendre les interactions dans notre écosystème naturel. Les interactions entre les océans, l'atmosphère, les forêts et toutes les choses. Et maintenant, aujourd'hui, l'occasion de vue de la planète m'a changé beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais me permettre de présenter Anna Fischer, qui est une astronaute de la NASA américaine. Le long de sa carrière à la NASA, elle a pu accomplir beaucoup de choses, mais tout d'abord, elle a commencé avec une éducation en chimie et ensuite est devenue docteur en médecine. Elle a été médecin urgentiste, plus précisément, jusqu'à 1978, quand elle a débuté sa carrière à la NASA, où, en plus d'être parmi les premières femmes, elle a pu travailler sur de tels projets que le développement d'une combinaison spatiale qui est appropriée pour le corps d'une femme. Elle a pu aller dans l'espace. Ensuite, elle a aussi travaillé pour la Station spatiale internationale et sur le projet du vaisseau spatial Orion. En 1984, donc 6 ans plus tard, elle a pu devenir la première mère dans l'espace lors de la mission STS-51A. Avec d'autres de ses camarades, qui a été à bord de la navette spatiale Discovery. Donc une navette spatiale, ça ne vole plus depuis 2011, mais l'idée à l'époque était d'utiliser donc la navette pour pouvoir aller dans l'espace et en revenir, et donc après réutiliser la navette, alors que maintenant on se concentre plus sur des fusées. Voilà. La mission en elle-même consistait en plusieurs étapes, dont le déploiement de 2 satellites de communication, le retrait de 2 autres et des expériences à bord, telles qu'une chimique qui a été sponsorisée par 3M, qui notamment fait l'adhésif des notes de post-it, et une de surveillance de rayonnement. Ensuite, revenue sur Terre, elle a pu travailler sur des projets fascinants et par exemple a pu être CAPCOM, qui est le lien entre la Terre et les personnes dans l'espace. Et dans son cas, c'était les personnes dans la Station spatiale internationale et la Terre qu'elle liait. Et enfin, jusqu'à sa retraite en 2017, elle a pu aussi travailler sur le vaisseau spatial Orion, qui est un vaisseau spatial partiellement réutilisable, qui devrait pouvoir envoyer des gens plus loin que que l'orbite spatiale, que l'orbite terrestre basse, qui est l'orbite où se trouve par exemple la Station spatiale internationale. Voilà, je vais lui poser la question suivante. Quel impact est-ce que la formation médicale a eu sur son parcours spatial? So, Ms. Fischer, what would you say was the impact that your medical background had
on your career in space. Thank you for that introduction. I'm sorry I don't speak French. Merci pour cette présentation. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler français. My parents, my mother is from Germany, so I could talk to you in German, but I don't think that would go over too well. Sa mère est allemande, donc elle pourrait vous parler en allemand, mais elle ne pense pas que ce soit une très bonne idée. I will answer your question in just a second, but I want to say one thing first, and that is, looking at this audience, you're about the same age. I was 12 years old when I decided I wanted to be an astronaut. Donc elle va répondre à la question un peu plus tard, mais d'abord elle aimerait dire... Ah. Thank you. D'abord elle aimerait dire que... Regardez sur une audience aussi jeune, elle se rend compte. Hein? Yes. Donc, elle aimerait bien dire que voir une audience aussi jeune lui rappelle qu'elle-même, à 12 ans, elle a décidé de devenir astronaute. Et donc, ça lui fait plaisir de vous voir ici. And of course, it didn't seem like a very realistic goal at that point, because the few astronauts that were in the United States were male. They were all test pilots, but the seed was planted at a very early age. So I just want to encourage all of you, if you have dreams, to follow those dreams, because they may come true with hard work. Et donc évidemment à l'époque ce n'était pas très réaliste comme idée, parce que à l'époque le peu d'astronautes qu'il y avait étaient des hommes et des pilotes de test. Mais elle aimerait bien tous vous encourager à poursuivre vos rêves, parce qu'ils peuvent très bien devenir réalité. I decided to go to medical school because I wanted to combine my love of math and science with working with people. And even though I didn't think I would have a chance to be an astronaut, I thought at least maybe I would get a chance to be a doctor on a space station someday. Elle a décidé d'aller étudier la médecine parce qu'elle voulait combiner son amour pour les sciences et les mathématiques, ainsi que son amour pour les humains. Elle s'était dit que même si elle ne pouvait pas devenir astronaute, peut-être qu'elle pouvait être un médecin sur une station spatiale. It turned out that medical training was actually the most difficult thing I've ever done, including training to go into space, because it is such a demanding career. Il s'est révélé que ne jamais se plaindre était une des choses les plus compliquées, parce que c'est si difficile le parcours d'aller dans l'espace, en fait. So when I came to NASA to train as an astronaut, I felt very prepared because of how difficult the training to become a doctor was, and how you really didn't get to have much sleep. Many times you worked 36, 40 hours. At least NASA thought you needed 8 hours of sleep a night to do a difficult job. Donc, grâce à son parcours médical, elle a pu... s'entraîner à ne pratiquement pas dormir, et donc au moins la NASA pensait qu'elle avait besoin de 8 heures de sommeil par jour, ce qui était une bonne préparation. But I was very happy that I got to combine the two things I love most, medicine with being an astronaut. And although now on the space station we do a lot more research actually in medicine, from the early days of the space shuttle program I didn't actually use my medical training, but now for some of you, if you go to be on the space station, they're doing a lot of research on how the body responds to space, and looking forward to going to Mars, how we can counter the effects of radiation and so forth. So anyway, I thought medicine was a wonderful way to train, and it really prepared me to be an astronaut. Donc elle est très contente d'avoir pu lier les deux choses qu'elle aime tellement, qui sont la médecine et être un astronaute. Et même si elle-même
lorsqu'elle est allée dans l'espace, elle n'a pas vraiment pu utiliser ses connaissances dans la médecine. Elle note qu'à la Station Spatiale Internationale, maintenant, il y a beaucoup plus d'expériences qui se font sur la réponse du corps humain au milieu spatial et sur la préparation à l'exploration de Mars, comment est-ce qu'on peut gérer la radioactivité, etc. Et donc, elle note que c'est très intéressant ce qui va se passer dans le futur, dans le milieu de la médecine, dans l'espace. Merci. Merci. Alors moi, j'ai l'immense honneur de vous présenter M. Charles Bolden, qui a une carrière incroyable. Diplômé d'une licence en électricité, puis d'un master en gestion de système, il devient pilote naval en 1970. M. Bolden a effectué plus de 100 missions durant la guerre au Vietnam, et il est ensuite devenu pilote d'essai pour le compte de l'armée, jusqu'à sa sélection en tant qu'astronaute dans le début des années 80. Il a réalisé 4 missions à bord de la navette spatiale, de 1986 à 1994, dont 2 en tant que pilote et 2 en tant que commandant. Il a participé au déploiement du télescope Hubble en orbite, ainsi qu'à la première mission du programme américano-russe combinant la station spatiale Mir ainsi que la navette spatiale. Monsieur Bolden a été nommé chef de la division de la sécurité de la NASA à la suite de la catastrophe de la navette spatiale Challenger. Après avoir terminé son service d'astronaute en 1994, il retourne dans le corps des marines, où il va servir la dernière fois en tant que commandant général de la 3e unité d'aviation avant sa retraite militaire en 2004. Et comme ça ne suffit pas, il devient l'administrateur de la NASA de 2009 à 2017 sous la présidence Obama. Pour ceux qui ne savent pas, l'administrateur, c'est le grand chef. Et durant ces années, il a dû gérer la difficile transition de l'accès à l'espace lors du retrait des navettes spatiales, en supervisant le programme Artemis avec le développement du Space Launch System et de la capsule Orion, dont le prochain essai de lancement sera normalement en novembre, pour ceux que ça intéresse. Il a aussi créé la direction des missions de technologie spatiale pour assurer le succès des futures missions d'exploration. Les principaux triomphes de la NASA sous sa direction comprennent l'atterrissage du rover martien Mars Curiosity, le lancement ainsi que la mise en orbite de la sonde Juno autour de Jupiter, l'exploration de Pluton grâce à la sonde New Horizons et les progrès dans le développement du James Webb Space Telescope. Alors la question que je vais lui demander, c'est quel est le rôle de l'administrateur de la NASA? So, Mr. Bolden, what is the mission of the NASA administrator? It's a pleasure to be here, first of all, like Anna said. So, c'est un plaisir d'être ici. Being the NASA administrator means that you're responsible for the largest space agency in the world, and you're responsible to lots of different people, the President of the United States, the Congress of the United States, and the American people. Alors, être l'administrateur de la NASA, c'est être responsable de la plus grande agence spatiale du monde, et c'est être responsable aussi de beaucoup de personnes, passant du président des États-Unis vers les astronautes et toute l'équipe. It's also a job that requires you to sort of be the spokesperson for actually 5 broad areas of expertise: human spaceflight, science, aeronautics, and education. So, I said 5, that's 4. Vous devez être aussi la personne de contact ou d'expérience concernant les différentes grandes missions de la NASA, qui soient l'aéronautique, l'exploration de l'espace et les deux. Aeronautics, you got that one? Yeah, space exploration. Education. L'éducation. And I think that's it. That covers. And then the big thing, when I worked for President Obama, one of the things that he said he wanted us to do was expand the number of non-traditional partners in space and science exploration. Donc quand il a travaillé avec le président Obama, ils ont voulu essayer d'augmenter le nombre de personnes avec qui travailler et ne pas rester à ce qui était normal à l'époque.
donc augmenter le nombre de fournisseurs. And so one of the biggest things for us was to try to travel around the world. I had the privilege of visiting about 52 countries over the course of my time as the NAS administrator. Donc le plus gros travail a été de voyager à travers le monde pour trouver des gens. Et Monsieur Bolden a voyagé dans plus de 52 pays à travers le monde. And it gave me an opportunity to meet young people like you, and which is the most important, most exciting part of the job. But when I left, we had partnerships with more than 120 different countries and 800 different international agreements working with those countries. Donc, durant tous ces voyages, ça lui a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde, dont des jeunes gens comme vous, ce qui est le plus excitant pour lui. Et ça lui a permis de rentrer en contact avec plus d'une centaine de pays et de collaborateurs à travers aussi de nouveaux lieux. And then I think finally, echoing what Anna said, it's trying to inspire young people like you to want to do big things, to have big dreams, and to never let anybody tell you what you cannot do. You know, to study hard, work hard, never, ever, ever, ever be afraid of failure. The first question we started with was about fear. Don't let fear keep you from doing anything that you want to do. So, good luck. Donc, le plus important, c'est d'inspirer des jeunes personnes comme vous, de ne jamais abandonner, de continuer, de croire en vos rêves. La première question qui a été posée était à propos de la peur. La peur ne doit jamais vous arrêter. Vous devez toujours continuer et aller au-delà de vos rêves. Donc, merci pour vous. Enfin, merci. Bonne fin. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le premier astronaute belge, Monsieur Dirk Vrimoot. Donc, Monsieur Dirk Vrimoot est né le 21 mars 1941 à Poperinge, dans la province de Flandre occidentale. Comme je l'ai dit, il est le premier astronaute belge, donc le premier à travailler dans l'espace. Il a 16 ans quand le premier satellite, le célèbre Sputnik, que vous avez vu en cours certainement, a été lancé en orbite autour de la Terre. D'un point de vue académique, il obtient son diplôme d'ingénieur en électronique à l'Université de Gand en 1963. Par la suite, il poursuit un doctorat dans la même université, en physique appliquée, qu'il obtient en 1970. Il poursuit sa carrière scientifique à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique, où il met au point des expériences, des instruments, destinés à... l'étude de l'atmosphère, jusqu'en 1978. En 1977, il postule pour la première fois à la NASA en tant qu'astronaute. Entre 1978 et 1984, il va travailler pour l'Agence spatiale européenne, où il devient coordinateur d'expériences scientifiques. En 1985, il retente sa chance à la NASA et est cette fois-ci sélectionné comme astronaute. Son vol devait avoir lieu en 1986, mais à cause de l'explosion de la navette spatiale Challenger, il est annulé et reporté. Et c'est finalement le 24 mars 1992 qu'il devient le premier Belge dans l'espace. Il y restera 9 jours en compagnie de 6 astronautes américains. À bord, il est responsable des tests scientifiques qui y sont effectués et étudie notamment l'interaction entre le Soleil et l'atmosphère terrestre. Parmi les nombreuses distinctions qu'il a reçues, on peut notamment citer le titre de vicomte qui lui fut accordé par le roi Baudouin en 1993. Il reçoit également le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège en 2012. Et finalement, un astéroïde sera renommé Vrimoot en son honneur. Mesdames et messieurs, Monsieur Dirk Vrimoot. Merci, merci bien. La question que je vais lui poser est une question très générale. Alors, Monsieur Vrimoot, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui nous regardent et qui ont peut-être des rêves fous? Comme devenir médecin, ingénieur et pourquoi pas astronaute. Oui, d'abord je veux dire que je suis bien content d'être ici, qu'il y a donc tellement de jeunes ici qui nous écoutent. Et je vois aussi les signes de Belgian Space Week. Donc on a pu venir avec un nombre d'astronautes ici. Et certainement c'est pour vous inspirer de ce qu'on fait. Parce que chaque astronaute a une histoire un peu différente. Il n'y a pas d'école pour devenir astronaute.
il faut chercher son chemin soi-même. Donc c'est comme ça qu'on est devenu. Vous avez entendu, toutes les histoires un peu différentes. Donc la question, c'était de... Avez-vous des conseils pour les jeunes qui sont ici? Oui. D'abord, pour aller dans l'espace, bien, maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats. L'année passée, ils ont commencé en Belgique pour avoir une nouvelle sélection d'astronautes. Quand moi, j'ai posé ma candidature la première fois, il y avait 2500 candidats pour 4 places. Ça, c'était déjà difficile. Mais quand l'année passée, quand ils ont commencé, il y avait 24 000 candidats pour 4 places. Donc maintenant, on est toujours en train de faire la sélection. Donc ça veut dire qu'ils choisissent dans les 24 000 les jeunes qui peuvent avoir le plus de confiance, de ceux qui vont bien avoir une bonne santé et aussi qu'ils vont pouvoir faire le travail scientifique qu'on a besoin. Donc, c'est très difficile pour y arriver. Donc, les chances pour aller dans l'espace sont d'un côté plus difficiles parce qu'il y a beaucoup plus de candidats. Mais pour le reste, il faut toujours être très bon dans tous les domaines, tous les critères qu'il pose pour devenir astronaute. Il faut être donc d'abord du point de vue médical, aussi du point de vue scientifique. On doit résister à des expériences spéciales, donc en apesanteur et autres choses qu'il faut qu'il essaye aussi. On ne peut pas avoir de peur, on a avoir peur et tout ça. Tout est vérifié pour avoir des candidats qui sont très valables. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au moment où on regarde les critères pour aller pour devenir astronaute, et vous vous rendez compte que vous êtes capable de répondre à tout, donc que c'est quelque chose que vous savez répondre du point de vue scientifique, du point de vue médical et tout ça, vous pouvez mettre votre candidature et peut-être vous êtes, je suis sûr que parmi tous les élèves ici, il peut y avoir des astronautes qui vont être choisis. Jusque maintenant, il y a 600 personnes qui ont été dans l'espace, mais donc il n'y a que 60 filles qui ont fait ça. Et pourtant, pour ce point de vue physique et tout ça, il n'y a pas de critères qui sont plus difficiles que pour les femmes que pour les hommes. Donc, mais c'est d'habitude quand on demande à la NASA qu'ils ont que si peu de femmes parmi leurs astronautes, ils disent, c'est oui, quand ils demandent des candidats, ils ont 10 fois plus de garçons que de filles. Et c'est pour eux, ils disent, voilà, si les critères sont les mêmes, eh bien, c'est normal qu'on a 10 fois plus de hommes que de filles. Et maintenant, donc, on fait un effort pour encourager les jeunes pour que surtout pour science et technologie, s'ils ont envie de le faire, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur non plus. Donc c'est quelque chose, ça devient quelque chose à ce moment-là qu'on a en soi, qu'on veut absolument faire. Il faut tous les les efforts que vous pensez pour y arriver. Et à ce moment-là, on ne sera jamais déçu, même si vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas avoir de remords, que vous n'avez pas tout fait pour y arriver. C'est bien que vous avez
vous avez tous ces talents. Et donc, il faut voir dans les talents, qu'est-ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie. Et il faut essayer de dans cette discipline, eh bien, que vous êtes le premier ou le très bon. Il faut être le très bon pour le faire. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut avoir conscience en soi-même, d'être sûr que vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez devenir astronaute comme moi aussi. Hein. Merci beaucoup. Ok, alors, vous avez posé un certain nombre de questions, vous avez préparé un certain nombre de questions, on en a sélectionné certaines, et je vais maintenant les poser aux astronautes, ok. Je vais devoir les poser en français, en anglais, et on verra qui veut y répondre. Entschuldigung, ich kann nicht gut Deutsch sprechen, aber I will ask a question in English. So those questions were asked by the kids, and we selected a few of them. And so anyone who wants to answer, just answer in French or English, whatever, okay? First question. How was it when you flew in space and you didn't have the usual day-night cycle? How do you feel the flow of time? Donc, comment ressentez-vous le temps qui s'était écoulé dans l'espace alors que vous n'aviez pas le cycle jour-nuit habituel? Who wants to answer? So. Okay. Well, when you fly in space, you fly very fast. You fly with a speed of 28,000 kilometers per hour, which means it takes you about 90 minutes to fly once around the globe. Donc, en fait, quand vous êtes dans l'espace, volez autour de la Terre très, très vite. Et donc, en fait, un tour, c'est 90 minutes. Donc, vous avez des cycles jour-nuit, évidemment, très, très rapides. So, when you make the calculation, that means in 24 hours, so in one day, you fly 16 times around the globe. Donc, en un jour, vous faites 16 fois le tour de la Terre. So, you experience 16 times sunrise and sunset. Donc vous avez 16 fois par jour le lever du jour et le coucher du soleil. But of course, you do not go to bed and wake up 16 times in one day. Mais évidemment, on ne va pas dormir 16 fois par jour. Hein? So you live according to a set time schedule or time, and in our case, it was Moscow time because I was flying to the Russian Mir space station. Donc comme lui volait avec les Russes, ce qu'il a fait, c'est qu'il suivait l'heure de Moscou. So it's a normal daily cycle where you get up in the morning at a certain time and you have your working hours and then in the evening you go to bed and sleep. Donc c'était finalement un horaire assez classique où il se levait au matin, il allait se coucher au soir, il travaillait entre les deux simplement, il suivait l'heure de Moscou. But let me ask my colleagues, who is it now? How is it now on the ISS? Which time is on board ISS? Donc quel est le temps sur l'ISS? À bord de la station spatiale, on utilise le Greenwich Mean Time, le temps universel. Le temps de Greenwich. Le temps de Greenwich pour l'ISS. OK. Une autre question. Que mange-t-on lors d'une mission spatiale? So what do you eat on a space mission? Who wants to answer this one? Oh là là. Bonne chose. C'est une mixture de la préparation russe et des choses de César, America, et des choses européennes. C'est très intéressant parce que chaque astronaute, chaque cosmonaute veut inviter les copains pour une... dîner spécial avec des choses locales, comme
moi, je suis de Cologne, et à Cologne, on a le repas de Sauerbraten. C'est une très, avec beaucoup d'espices, une viande. Et j'ai servi cette Sauerbraten, cette viande, à mon collègue. Et nous avons fait une dégustation. Ils se sont dit, oh, très bien. C'est un moment social. Spécialement les repas sont tout ensemble, tout le crew va rencontrer pendant les repas. Et ce sont des préparations spéciales parce que tous les ingrédients peuvent faire une longue journée, une longue voyage. On ne veut pas que ces choses fassent de complications avec les astronautes. C'est très spécial, mais c'est une science pour préparer ces repas. Mais on peut changer des repas chaque jour. C'est un grand choix. Merci. OK. La prochaine concerne plus, on va dire, la médecine, justement. Donc, vous avez demandé à quelles difficultés le corps humain doit-il faire face dans l'espace et comment on y remédie. So, in English, so which difficulties does a human body have to face in space and how to remedy them? Any of the medicine specialists, please? Please, Anna? You can answer in English, no problem. And you can translate if you want. Okay. Just how does the body respond in space? Yeah, yeah. Yes. What are the difficulties for the body in space? Well, there are quite a few difficulties that you encounter when you go into space. The first thing is when you first get into space, most astronauts, about 70%, have what's called space adaptation syndrome, which is a fancy term for symptoms much like motion sickness. Donc la première chose, en fait, quand on va dans l'espace, quand on y arrive, c'est qu'une bonne partie des astronautes, eh bien, a ce qu'on appelle le mal de l'espace. Hein. Donc c'est un peu comme le mal des transports, mais en pire. That usually lasts about 2 or 3 days, and then you are feel normal again. Donc ça dure à peu près 2 ou 3 jours, et après vous vous sentez un petit peu mieux. If any of you have been motion sick, you definitely, you know, it's not very unpleasant to throw up, and in space, it's even more unpleasant. Donc évidemment, si vous avez déjà été malade dans les transports, vous savez que c'est pas amusant de devoir vomir, mais c'est encore pire quand vous devez vomir dans l'espace. Other things that happen because you are no longer in a gravitational field, your spine will elongate and you get to be about an inch taller in space. Alors en fait, comme vous n'avez plus vraiment de sentiment d'attraction comme ça par le sol, en fait votre colonne vertébrale se relâche et donc vous grandissez en fait quand vous êtes dans l'espace. Unfortunately, you shrink when you come back. Mais évidemment, vous rétrécissez quand vous revenez. But a lot of astronauts have back pain because of the stretching of the ligaments. Donc vous avez en fait aussi du mal de dos parce que c'est bien grandir, mais ça fait évidemment du stress sur la colonne vertébrale. Another thing that happens is because you're no longer in a gravitational field, you no longer pool blood in your legs the way you normally do here on the ground. Donc comme évidemment vous n'avez plus cette attraction du sol, eh bien le sang a du mal à circuler et notamment il a beaucoup plus de mal à aller dans les pieds. So the fluid shifts into your central venous system and over a couple days through the urine you get rid of this what is extra fluid when you're in space. Donc en fait vous avez les fluides qui se répartissent différemment et l'excès de fluide est éliminé, vous allez tout simplement faire pipi. That creates a problem when you're coming back from space because you're relatively dehydrated. Évidemment le problème c'est que quand vous revenez sur Terre, là vous êtes un petit peu déshydraté, donc ça pose aussi problème.
And other things that happen in space is you tend to lose bone mass and muscle mass, not so much on the shorter missions like a shuttle mission, but on the long duration, the 6 months, the 1 year missions, that is a big problem. Donc pour les missions qui sont assez longues, donc pas les missions de navette, mais les missions, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale, qui durent pas mal de mois, là, vous avez aussi des pertes musculaires et des pertes au niveau des os, ce qui pose également un certain nombre de problèmes. And we have their special equipment on board the space station so that you can exercise and do, there's a treadmill and there's a resistive exercise device. Donc en fait, sur la station, vous avez des outils d'entraînement pour des tapis pour courir, par exemple, des choses comme ça, pour justement essayer d'entretenir les muscles et être en meilleure santé quand vous revenez. And now, as we're looking forward to going to Mars, I mean to the Moon and then to Mars, there are other things we have to consider, like protection from radiation. Et si on doit aller vers Mars ou vers la Lune, il y a des choses en plus à considérer, notamment la protection contre les rayonnements, les rayons cosmiques et ce genre de choses. And we've also seen that some astronauts have trouble with their vision when they've been up in space for a long period of time. On a également des problèmes aussi avec les yeux souvent pour les astronautes qui vont dans l'espace. But don't be scared off because of all these changes. It's still a lot of fun to float in space. Mais n'ayez pas peur hein, de tous ces changements. En fait, c'est quand même très amusant d'aller voler dans l'espace. OK, vous avez aussi demandé qui décidait des expériences scientifiques réalisées dans l'espace. So, who decides which scientific experiment will be performed by the astronauts? Il y a 60 ans, il y a deux pays qui ont exploré l'espace. Les États-Unis, qui a lancé leurs astronautes, et aussi la Russie, qui a lancé leurs cosmonautes. Mais aujourd'hui, l'exploration de l'espace est complètement différente parce que c'est une activité plus internationale. Par exemple, quand j'étais un membre de l'équipage de la Station Spatiale Internationale, j'ai volé avec cinq autres coéquipiers et nous sommes en collectivité à représenter cinq agences spatiales. So, les États-Unis, la Russie, la Belgique, le Japon et le Canada. Et pour cette raison de faire toute l'exploration dans l'espace, c'est une chose internationale pour bâtir la station, pour maintenir la station et aussi pour planifier les expériences afin d'éviter la duplication, afin d'optimiser la science à bord de la station. C'est un comité international de toutes les agences partenaires pour planifier la science. Et quand j'étais un membre de la station spatiale, nous avons fait quelques centaines d'expériences partout du monde. Alors, une autre question que vous avez posée, c'est est-ce qu'ils sont toujours d'accord entre les membres de l'équipage et comment ils s'organisent? So, do you always agree between the crew and or do you organize stuff in space? No. We don't always agree among the crew, but before we fly, at least before my flights, we usually actually got together with psychiatrists and psychologists to help us understand the various personalities of the crew members. Donc, en fait, juste avant le vol, ils discutent pas mal avec des psychiatres et des psychologues pour justement essayer d'apprendre à un petit peu s'arranger quand il y a des problèmes. And the reason, my reason for doing it was because we wanted to be able to tell when somebody was having a bad day or an unusual day so that we could, you know, intervene and try to get us back together again as a crew, agreeing on what we needed to do or what we were going to do.
Donc parfois, il y avait quelqu'un qui avait un mauvais jour, hein, et il fallait être capable de pouvoir, pouvoir l'aider finalement et de pouvoir s'arranger tous ensemble et faire en sorte que la mission continue. And you may say, how could you not agree on everything? Well, because we come from different cultures. My last flight, one of my crew members was Sergei Krikalev, who is now the head of human space flight for Roscosmos. Let me stop there. Ok, donc en fait, évidemment, c'est normal aussi qu'ils ne soient pas toujours tous d'accord entre eux, parce que notamment, ils viennent de différentes cultures, de différents endroits, et donc forcément, ils ont aussi des façons différentes de voir les choses. Et par exemple, ici, Charles, son dernier vol était avec celui qui est maintenant à la tête de l'agence spatiale russe. Et vous savez que les relations actuelles ne sont pas extraordinairement bonnes au niveau international, politiquement en tout cas. And we had a small crimp in an airline going from the crew module of the shuttle where the oxygen supply was into a habitation module that was in the payload bay. And we were concerned that that line might cause us to have insufficient air into the space hab module. So we called the ground and let them know what was going on. Donc à un moment, ils ont eu un problème avec entre deux parties, un tuyau qui amenait de l'air, c'est bien ça. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé le sol. Sergei, coming from the Russian program, where they were pretty autonomous because they didn't have communications like we did on shuttle. We had constant, almost constant communications with the ground. In the Russian program, initially, they talked to the ground very few times each hour. Sergei said, let's fix it. We know what to do. And I said, Sergei, we can't just fix it because the ground actually determines what we're going to do and when it's going to be done. Et donc, un des problèmes, par exemple, c'est ici, les Russes avaient l'habitude d'être très autonomes. Et quand il se passait quelque chose, c'était bon, allez, on y va, on le répare et on le fait nous-mêmes. Tandis que côté américain, vu qu'avec les navettes, on était constamment en contact avec le sol, ben, finalement, on discutait beaucoup avec les ingénieurs au sol et on essayait de voir d'abord avec eux comment réparer les choses. Et donc, voilà, deux approches complètement différentes pour résoudre le problème. Several days later, we got a direction from the ground to do a particular procedure, which all of us on board felt that will never work. I looked at Sergei, and Sergei looked at me. I said, let's do what you said do several days ago. And we did what Sergei had recommended several days ago, and it worked perfectly. Et quelques jours plus tard, en fait, ils ont eu les gens au sol qui leur ont dit de faire quelque chose. Et là, par contre, ils étaient tous d'accord que ça n'allait pas marcher. Et donc, ils se sont regardés. Et alors, Charles a dit à son collègue russe, « Bon, écoute, on va faire comme tu as dit il y a plusieurs jours et ça va marcher comme ça. » Une question peut-être plus philosophique ou plus esthétique aussi. Vous voudriez savoir comment est-ce qu'on perçoit la Terre finalement quand on est dans l'espace. So, how do you perceive the Earth when you're in space? What are the feelings? What do you experience? Oui, yes. The first when you are in space, with the shuttle that's in an orbit around the Earth. So, and the first thing that you want to do is look to the Earth. And surely, during the whole mission that you have, for us it was 9 days, every time, every minute, every minute that you are in space, well, and that you are free, that you don't, well, because you have to do your job as well. But the time free that you, je peux le dire en français, hein, donc. Donc, quand on est dans l'espace, eh bien, chaque fois qu'on a le temps de regarder la Terre, on regarde la Terre. Donc, on doit travailler effectivement. Donc, je sais avec notre commandant. Charlie Bolton, he was a very good commandant qu'on avait. Et donc, quand on arrivait dans l'espace, la première chose qu'on faisait, c'est aller vers une fenêtre pour regarder la Terre. Et puis, on pouvait regarder pendant 5 minutes. Et puis, il disait, maintenant, c'est fini, il faut
commencer avec votre travail. Et à partir de ce moment, c'est seulement quand il y a du temps dans notre programme qu'on fait le temps de regarder la Terre, ce qui est très fascinant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. On peut voir pendant le jour les différents continents et tout. Puis la nuit, on voit les éclairs, on voit aussi les étoiles. Donc, c'est toujours passionnant de regarder par la fenêtre. Mais on n'a pas toujours tout le temps parce qu'on a un programme très chargé quand on est à bord. Il faut voir. Oui. Okay. Alors, de temps en temps, évidemment, ils ne restent pas que dans la navette ou dans la station, ils sortent. Et là, votre question, c'est est-ce qu'on ressent le vertige quand on fait une sortie extravéhiculaire? So, during extravehicular activities, do you feel some kind of vertigo? Who wants to answer that? Reinhold, maybe? Who wants to answer? Do you feel some kind of vertigo when you are outside, when you do extravehicular activities? No. And the no is for me. Each individual crew member has different experience to space flight, as Anna mentioned. I didn't have any physical kind of things like vertigo and the like. I go. Ok, donc lui l'a pas ressenti cette espèce de vertige quand il est sorti, mais ça dépend en fait de chaque astronaute. And I don't think, you know, we 600 and some odd people who have gone to space, I don't think we had anyone who suffered what we would classically call vertigo. Donc sur tous ceux qui sont sortis, il y en a pas vraiment beaucoup, peut-être pas du tout, qui ont vraiment subi le vertige, en tout cas au sens habituel du terme, celui qu'on ressent sur Terre. But as Anna mentioned, almost everybody experiences some degree of space adaptation syndrome. Mais par contre, le mal de l'espace, hein, ça, à peu près tout le monde l'a subi à des degrés divers, par contre. And the one thing that I think all of us who've had the opportunity to fly in space will say we suffered alike. Was the first 2 days your head feels like it's going to explode? It gets really fat, not really, but you have a lot of fluid in your head that's not normally here on the ground, and you do something very simple. Anna said it very nicely. I'll just say you pee, and you pee out about 2 liters of fluid that you don't need over that first 2 days, and you get very comfortable. Ok, et donc par contre, un truc qu'ils ont tous subi, c'est d'avoir finalement quelque part le sentiment, quand ils arrivent, que leur tête explose. Et ça, c'est simplement à cause justement du problème de circulation des fluides. Et donc vous avez les fluides qui s'accumulent et ça, c'est assez pénible, hein, au niveau de la tête. Et donc la solution, comme on l'a déjà dit, hein, c'est d'aller aux toilettes, hein, de faire pipi. Et comme ça, on évacue 2 litres d'urine en 2 jours. Et tout va bien. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux après. Alors, une question plus controversée, et on verra ce que vous en pensez. Pensez-vous que le tourisme spatial tel qu'il se développe est compatible avec les enjeux de développement durable? So do you think that space tourism and the development is going through now are compatible with the challenges of sustainable development in general? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Ma première réponse est oui. Oui, parce que d'un côté, les entreprises privées font avancer le savoir-faire technique, technologique, et de développer également des lanceurs. D'autre part, ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois, ce développement technologique, eh bien, va un peu à l'encontre, justement, de la préservation du climat et la lutte contre le réchauffement climatique. J'en veux pour preuve simplement que certains des lanceurs utilisent des carburants qui ne sont pas propres, et je mets propres entre guillemets, c'est-à-dire qui polluent beaucoup plus que les carburants classiques qu'on utilise par exemple pour lancer des fusées qui sont principalement hydrogène-oxygène et ce qui fournit finalement beaucoup de vapeur d'eau simplement. Et donc d'un côté, il y a du bon et de l'autre côté, du moins bon.
De plus, les utilisateurs de ces vols suborbitaux, par exemple, principalement les premiers touristes de l'espace, mais ce sont des gens qui sont fortunés, qui peuvent se permettre de payer plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, ou pour les vols suborbitaux, ou plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars pour des vols orbitaux, ce qui est bien sûr réservé seulement à une élite aujourd'hui. Mais c'est un petit peu la même situation qu'on avait eue il y a plus d'un siècle lors du début de l'aviation. Les tout premiers pas de l'homme dans l'air, c'est pas vraiment le bon mot, mais les tout premiers vols de l'homme, de l'être humain dans l'air, eh ben, c'était réservé en fait tout au début aux tout premiers pilotes, les fous d'aviation, les ingénieurs qui essaient de construire ces plus lourds que l'air. Et puis petit à petit ça s'est développé, et puis c'était réservé tout au début à des gens qui avaient les moyens de faire un voyage, de traverser les États-Unis ou traverser la Manche entre l'Angleterre et l'Europe, et ainsi de suite. Mais petit à petit tout ça s'est démocratisé. Et un siècle plus tard, eh bien aujourd'hui, on peut prendre un vol bon marché et aller passer des vacances en Espagne ou dans le nord de l'Afrique pour des sommes de l'ordre de 20, 25, 30 ou 50 euros. Et donc, c'est absolument des prix ridicules par rapport à ce que ça représente. Je crois qu'en fait, l'industrie spatiale, l'exploration spatiale, ou au moins les voyages vers l'espace et dans l'espace, vont se démocratiser de plus en plus, mais beaucoup plus lentement, parce qu'il faut bien réaliser une chose, c'est qu'il faut vaincre ici l'attraction de la pesanteur pour pouvoir s'élever à une certaine hauteur, une certaine altitude, et donc pouvoir avoir cette vision d'ensemble du sol, même si c'est pour que quelques minutes lors des vols suborbitaux, ou plusieurs heures ou plusieurs jours lors des vols orbitaux. Ça reste malgré tout relativement cher, mais ce sera sans doute beaucoup moins que ce que les gens payent aujourd'hui. Donc on va y arriver. Alors, est-ce que c'est un choix à faire? Oui, c'est un choix à faire, mais c'est également un petit peu le choix de tout développement technologique, de tout progrès technique. Il y a toujours du bon et toujours du moins bon accroché à ça. Donc, il faut essayer de compenser, voir l'aspect positif et essayer de diminuer l'impact négatif. Voilà. Does anyone else want to react to space tourism? No? Ok. Je vais maintenant poser une question collective, puisque c'est une question qui peut s'appliquer à tout le monde. Donc je vais leur demander de répondre rapidement chacun. Et la question, c'est ce qu'ils ont le plus apprécié lors de leur mission. So I ask a collective question. So please answer each of you quickly, so we can go through all of you. So the question is, what did you like most during your space mission? I like most the view out of the window, looking into outer space and looking back at our planet. That was very fascinating. Donc la vue en fait qu'on a depuis l'espace, que ça soit la vue vers en regardant les étoiles et l'univers, mais aussi la vue de la Terre. Je crois aussi la vue, mais aussi l'amitié entre les copains, entre les membres de mon crew, parce que nous avons eu un très programme difficile, mais nous sommes avec de l'aide de mes copains, j'ai fait tout le programme et c'était pas une chose naturelle, parce que ce sont des cultures et caractères différents. Oui, moi, je n'ai pas encore été dans l'espace, donc je vous dirais simplement l'attente. Voilà, j'attends toujours, j'espère d'ici que peut-être quelques années. Mais aussi, d'un autre côté, j'ai fait beaucoup de vols paraboliques, donc j'ai pu apprécier ce qu'est l'impesanteur. Et l'impesanteur, c'est également l'état qu'on retrouve à bord de la station, lors des missions spatiales. Donc l'impesanteur, c'est quelque chose qui est fantastique, qui fait rêver, parce qu'on arrive à s'absoudre de l'attraction de l'impesanteur qui vous tient plaqué au sol. Et on peut se promener ainsi un peu dans les trois dimensions. On peut s'asseoir au plafond, se mettre debout au plafond, la tête en bas, et je mets en bas entre guillemets, parce que ce qui vous donne la notion du haut et du bas ici sur Terre, c'est bien la pesanteur qui vous tire vers le bas et qui vous tient les pieds sur le sol. En impesanteur, il n'y a plus de pesanteur, et bien on peut s'envoler et flotter librement. Et ça, c'est une sensation extraordinaire et toujours renouvelée. Chaque fois que je refais un nouveau vol, je dis « Waouh, génial !»
J'aimais toutes les choses. J'aimais jouer dans la pesanteur. Pour moi, quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'être Superman et de voler partout. Et dans la pesanteur, on a l'occasion d'être Superman. Simplement un petit pouce et on peut voler partout de la cabine. Et c'est un autre rêve d'enfance que j'ai achevé. My favorite part of being in space, like many of us, is just looking out the window and seeing the Earth below and watching meteors go into the atmosphere, seeing it from above. Being weightless was as much fun as you could possibly imagine it would be, and especially the teamwork that you have with your crew, with the ground, and the feeling of accomplishment you have at the end of a very difficult, complicated mission. All of those, it's hard to choose which one. The favorite is the view out the window, but the others are all very close. OK, donc ça, son préféré, c'est comme beaucoup, hein, la vue depuis la fenêtre, hein, donc regarder la Terre en particulier. Et puis, il n'y a pas que ça. Évidemment, le fait de flotter, hein, c'est toujours quelque chose de particulier, mais aussi, justement, tout le travail collaboratif, travailler en équipe avec le sol aussi, pas seulement ceux qui sont dans l'espace. Et bien sûr, aussi le sentiment d'accomplissement, finalement, d'être arrivé, finalement, quelque part, d'avoir réussi à faire son rêve, quelque part. I think my likes are like everyone else, but what I got the most was what I cherish, and what I cherish the most about my experiences in space was the opportunity to make new friends, to meet people who were totally different from me culturally, getting to become a friend of Dirk's. My first trip to Brussels, to your country, Belgium, came as a result of that. Making friends with Sergei Krikalev and my family, meeting and making friends with his family as they moved from Moscow to Houston, Texas, to a totally different culture. So I think the part I cherish is the opportunity to participate in learning about other cultures and having other cultures learn about mine in the United States. Donc ce qu'il préfère véritablement, c'est le sentiment de pouvoir rencontrer énormément de gens, et notamment des gens de différentes cultures, de partager avec eux. Ben voilà, il a pu, grâce au fait qu'il a connu Dirk, ben il est venu à Bruxelles, hein, il a découvert un peu la Belgique. Et puis évidemment, il vous a parlé de son collègue russe qui a fini par s'installer en partie à Houston et qui lui aussi a dû être immergé dans une autre culture. Et ce côté, ben voilà, partage d'expérience, découvrir d'autres personnes, d'autres façons de vivre, c'est ce qu'il chérit le plus. Dirk. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Charlie Bolden sur ceux qu'on rencontre, même tous les astronautes qui ont été dans l'espace, on les considère comme une famille. Donc, on ne connaît pas beaucoup. Il y a au total, il n'y a que 600 qui ont été dans l'espace. Et donc, on peut aller n'importe où dans le monde. Quand on rencontre quelqu'un qui a été dans l'espace, tout de suite, on est familier avec eux. Ce qui m'a impressionné le plus quand j'étais dans l'espace, c'est qu'on tourne une fois autour de la Terre en 1h30. Donc, on va à une vitesse, on sent pas la vitesse. On voit en dessous de soi la Terre, la boule qui tourne, et en 1h30, on a fait un tour complet. Et entre-temps, la Terre a tourné de 20 degrés. Donc, à ce moment-là, l'orbite suivant, eh bien, on voit tout autre chose que le premier. Et donc, on en a 16 révolutions par jour. Et à la fin, j'avais l'impression
compte pas les heures. On travaillait pendant 8 orbites et puis on était relié par l'autre équipe qui aussi travaille pendant 8 tours. Donc on ne compte pas les heures qu'on a, c'est toujours par heure et demie, par orbite qu'on comptait. Et ça reste. Donc je regardais surtout quand j'avais le temps de regarder la Terre. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut regarder. Ça, moi, je n'ai pas vu la Belgique parce que c'était toujours des nuages. Hein, mais j'ai vu beaucoup de choses, de belles choses de notre planète. Et on se sent plus appartenir à une région où on se sent plutôt notre maison, c'est notre planète. Quand on regarde par la fenêtre, eh bien, il y a toujours une impression de pays qu'on voit. Et quand on, même après, quand maintenant qu'on parle d'un certain pays, la première chose que je pense, c'est comment est-ce que j'ai vu ça de l'espace? Est-ce qu'il y a donc toujours un lien avec ce qu'on a vu pendant la mission? Après encore, toujours pour avec tout ce monde. Donc on est tous membres des habitants de notre planète. Alors la dernière parmi vos questions, c'est finalement la question des sentiments hein, qu'on a dans l'espace, le stress éventuellement. Donc c'est aussi un peu collectif. So again, kind of collective questions. So the question from the kids were, what were your personal feelings, and including stressful events or whatever. So could you talk a little bit about your the main important stuff in your personal feelings that you experimented in space? Quickly again. Well. A space flight is a very exciting adventure, and you have all kinds of, for me, positive emotions. And certainly the most exciting and most positive was when I heard on our second day, I was waken up very early from mission control, that I was becoming father of a daughter on the day of my launch. Donc évidemment, pour lui, le plus gros sentiment dans sa mission, ben c'est deux jours après son lancement, hein, quand il a appris qu'il devenait papa d'une petite fille. Je me sentais, c'est un grand privilège de voler en l'espace, mais aussi une responsabilité pour toutes les sciences jeunes, les expériences qui fait beaucoup de scientistes. Scientifiques, ils font des expériences et je suis seul de faire ces expériences. C'était une grande responsabilité, mais j'ai une très bonne mémoire de mon vol. Mais, comme j'ai déjà dit, je n'ai pas encore volé dans l'espace, mais à travers toute ma carrière, lors des campagnes de vol paraboliques et de toutes les missions spatiales auxquelles j'ai participé depuis le sol, ce qui m'a marqué le plus, c'est le travail d'équipe, le besoin et le fait qu'on le fait de manière tout à fait naturelle, de travailler ensemble en équipe. Une mission spatiale, ce n'est pas un seul astronaute qui vole, mais c'est également des dizaines de milliers de personnes qui travaillent au sol, tout le personnel technique, le personnel scientifique, les chercheurs, les ingénieurs qui construisent tous ces systèmes et qui les font fonctionner. Et ça, c'est fantastique de voir que l'être humain peut mettre ensemble toutes les ressources nécessaires pour se dépasser et arriver finalement à explorer l'espace. J'ai ressenti beaucoup de sentiments pendant mes missions et mes copains ont déjà dit la même chose, mais c'est encore l'amitié entre l'équipage.
Et, you know, d'explorer l'espace, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. Et les buts des missions sont durs. Et c'est nécessaire pour tous les pays, pour tous les coéquipiers, de travailler ensemble. Et après cette sorte de mission, j'ai l'amitié avec les autres astronautes. Et nous sommes, comme beaucoup de personnes ici, nous sommes des amis, une amitié qui dure. So there are lots of different emotions that you experience when you go into space. Il y a beaucoup d'émotions différentes qu'on ressent lorsqu'on va dans l'espace. Certainly excitement when you lift off and then when you first get on orbit. Évidemment de l'excitation hein, quand vous partez lors du décollage et puis quand on arrive en orbite. Lots of special memories. For example, I was listening, my commander was listening to when you see the Southern Cross for the first time, and we were just crossing the equator, and I saw the Southern Cross from the first time from space. Et donc elle, en fait aussi, ben voilà, la première fois qu'elle a passé l'équateur, qu'elle a vu la Croix du Sud, et donc les voir des choses différentes aussi depuis l'espace. But as everyone says, the teamwork that you the things you remember most are the friendships and the teamwork. And the only sad part at all was having to leave my 14-month-old daughter. That was the hardest part. Mm-hmm. Okay, donc le. Le plus positif, c'était de nouveau le travail en équipe et l'amitié, mais le plus difficile, c'était de devoir quitter sa fille qui, elle, évidemment, était encore au sol. Yeah, I'll echo what everybody else has said about teamwork and partnership and friendships, but I'll also add, I am a person who suffers from something called the imposter syndrome. Alors, il a les mêmes réponses que ses prédécesseurs hein, et que ses amis, mais il souffre aussi un peu de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Which means I go through life always wondering, why me? You know, I'm not as qualified or I'm not as special as all these people with whom I've worked. Et donc il se demande, en fait, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, ben finalement, pourquoi moi? Pourquoi? Est-ce que moi, je suis vraiment aussi qualifié que tous ces gars qui sont autour de moi? Et donc, aussi, quelque part, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bien à ma place? But that has been a gift to me because it has made me always want to make it possible for other people like all of you to have the same experiences that I've had. We talked about commercial space earlier. It's critically important to me because that is the way we're going to allow more and more people to have the experience of space flight as we did. And I believe that when you get the opportunity to look at our planet in its beauty and grandeur, your life changes, your whole perspective on everything changes, and that's what I want everyone else to have the opportunity to do. Mais d'un autre côté, ça lui permet aussi de justement pouvoir envisager que plein d'autres gens puissent aller dans l'espace. Et justement, on parlait des vols commerciaux. Ben lui, il voit l'opportunité d'avoir le plus de monde qui va dans l'espace et surtout qui voit la Terre et qui se rend compte de sa fragilité, de sa beauté et de la particularité finalement de notre planète. Moi, je voudrais quand même dire aussi que nous autres, on était à bord pour faire des expériences, mais ce n'était pas notre expérience. Les scientifiques sont au sol, suivent ce qu'on fait. Donc, si on a à un moment des bons résultats, eh bien, on est très content parce qu'on sait que les scientifiques qui ont fait ces expériences, ça leur a coûté parfois 10 ans ou même plus pour arriver qu'ils pouvaient faire cette mesure, mais au moment qu'on peut leur donner des données pour donc à ce moment c'est réussi et ça donne quand même aussi ça fait une impression pour nous qu'on fait du bon travail, qu'on a pu apporter donc des données pour les scientifiques. On pense souvent qu'on est toujours en contact avec eux, donc on veut bien qu'ils obtiennent de bons résultats.
Voilà, nous allons clôturer ici cette matinée avec les astronautes et j'aimerais bien que vous les remerciez tous. Merci.